The House will now proceed to the consideration of private members' business as listed on today's order paper. Orders of the day. Private members' business, affaires émanant des députés, prise en considération de la motion M533, consultation citoyenne préalable au développement des ressources naturelles, au nom de M. Genet Jourdain. M. Genet Jourdain, appuyé par Mme Duncan Edmonton Strathcona, propose que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement fédéral, en exerçant ses compétences, devrait soumettre le projet de développement des ressources naturelles à une consultation citoyenne élargie auprès des membres des Premières Nations, ainsi que des citoyens des agglomérations touchées directement par l'implantation de telles activités, et que la volonté citoyenne ainsi mesurée devrait être un critère décisionnel dans l'obtention d'un permis d'exploitation au même titre que les impacts sur la santé, le maintien des écosystèmes, l'emploi et le développement économique. Débat, debate, l'honorable député de Manicouagan. Monsieur le Président, la motion qui sera soumise à l'examen en cette Chambre marque le point culminant de démarches éco-citoyennes amorcées en Manicouagan en 2009. Pourquoi 2009, Monsieur le Président? Eh bien, c'est l'année où j'ai amorcé mes propres démarches en domaine environnemental suite à la visite à mon conseil de bande, parce que j'étais conseiller juridique à mon conseil de bande, suite à la visite d'un ingénieur roumain qui est venu nous aviser de la présence d'une entité économique, d'une compagnie qui faisait de la prospection en domaine uranifère pour l'uranium sur un site patrimonial. Et les gens de mon conseil de bande avaient été assez stupéfaits de l'apprendre puisque personne n'avait été avisé. Et donc, ultimement, ça a monté, ça s'est transformé en levée de boucliers. Il y a eu des milliers de citoyens, des centaines de citoyens, des milliers de citoyens qui se sont déplacés et qui ont fait une marche. 2000 citoyens dans les rues de cette île en plein hiver et qui se sont inscrits en faux face à de telles activités. Plus en faux face à l'absence de transparence et les démarches en catimini que de l'extraction comme telle, Monsieur le Président, bien que l'extraction, même au stade exploratoire, pose un problème au niveau de la possible atteinte des nappes phréatiques et du bassin versant de la rivière Moisy qui est à proximité. Mais si les citoyens sont montés aux barricades, Monsieur le Président, c'était d'abord et avant tout parce qu'il y avait eu une absence de transparence, une absence de volonté. C'était une entité qui avait fonctionné en catimini. La suite, eh bien, suite à cette démonstration-là, suite à la marche des citoyens, eh bien, l'action en bourse de l'entité, de la compagnie, est tombée et ultimement, ils ont quitté, ils ont fui la Côte-Nord. Leur action valait une peau de chagrin à la fin de la journée. Les impératifs liés à la participation du public au processus décisionnel lié aux annonces industrielles ont trouvé écho dans le Nord. La mobilisation est désormais quantifiable en raison de la multiplicité des mesures et outils assertifs mis de l'avant par des regroupements citoyens. Quand je vais parler des mesures citoyennes, Monsieur le Président, je vais les opposer aux moyens financiers, aux assises financières d'envergure dont disposent les tenants de l'industrie, dont disposent les grands lobbies industriels, Monsieur le Président. Encore à titre d'exemple, il y a 3 jours de ça, il y a un rapport, il y a un document qui a coulé, qui émanait d'une autorité ou d'un groupe qui avait été engagé par TransCanada dans le projet Énergie Est. Et ce que l'on voyait, Monsieur le Président, c'est que les tenants de l'industrie en 2014 ne se le cachent même plus. Ils sont prêts à le coucher sur papier. Mais ce qu'on voit, c'est que la répression citoyenne s'est rendue au point qu'on est prêt à payer à la raison de 7,75 $ des individus qui vont dire un discours qui vont opposer celui des citoyens qui questionnent la légitimité d'un projet, qui questionnent au final l'impact que ça va avoir sur l'environnement. Bien, les tenants de l'industrie en 2014, Monsieur le Président, sont prêts à investir des fonds plutôt que de travailler de façon inclusive, d'essayer de faire valoir les prétentions citoyennes et de s'entendre avec les gens. On fonctionne en vase creux, on fonctionne en vase clos et on est prêt à investir des fonds. Vous voyez la disparité ici et l'absence de balance, compte tenu que les citoyens ne disposent pas d'assises économiques. Lorsqu'on est prêt à payer des gens 7,75 $, ça ouvre la porte, ça ouvre la boîte de Pandore, permettez-moi l'expression, Monsieur le Président. Bref, vous voyez l'absence de balance des forces ici. Donc, les citoyens, par la force des choses, le seul outil qui leur reste, Monsieur le Président, c'est la mobilisation. Et ça, c'est pas très bon pour l'investissement. On l'a vu, ça, par le passé, quand je vous l'indiquais, Terra Ventures, en 2009, leur action a chuté de façon drastique au point où ça valait que dalle à la fin de la journée. Et ils ont dû quitter, tout simplement, parce qu'ils n'avaient pas cette volonté inclusive. Donc, je vais insister, Monsieur le Président, sur cette nécessité de mettre le citoyen à contribution
Hein? Lorsque l'on parle de l'expression de la volonté citoyenne, c'est un des thèmes centraux de cette motion, Monsieur le Président. Il faut qu'il y ait une réelle écoute, une réelle attention. Il faut que les citoyens soient impliqués dès les premiers balbutiements d'une initiative donnée. Il faut que les citoyens soient impliqués pour éviter ultimement qu'il y ait cette montée aux barricades qui n'est nullement bénéfique pour l'industrie et pour l'économie en général, Monsieur le Président. La trame de fond commune aux revendications, à leurs revendications, brille par sa vertu. Les citoyens sont en droit de s'attendre à une plus grande participation des acteurs civils dans le cadre des mesures s'inscrivant dans l'implémentation d'une initiative d'extraction des ressources naturelles. Comme je l'indiquais, Monsieur le Président, en 2009, avec le dossier du lac Cachéouis, il y a eu une éducation des masses qui s'est effectuée. Et ça a mené ultimement à une mobilisation. Et ça, aujourd'hui, en 2014, de façon exponentielle, il y a eu une plus grande participation du public. Ce n'est pas simplement à cette île, ce n'est pas simplement sur la Côte-Nord. On le voit dans l'ensemble du Canada. D'ailleurs, le rapport produit pour le compte de TransCanada l'indiquait. Au Québec, il y a une forte mobilisation au niveau environnemental. Il y a plus d'écologistes. Est-ce que c'est péjoratif? Allez savoir, Monsieur le Président. Mais il y a une plus grande mobilisation à cet effet-là. Et c'est la raison pour laquelle les tenants de l'industrie doivent désormais s'adjoindre les services de firmes de communication d'envergure payés à très grands frais. Et je passe un message pour une autre firme, la firme nationale, qui opère à l'heure actuelle en périphérie de cette île. On vous a à l'œil également avec le dossier Ménarneau, compte tenu que le même modus operandi se retrouve sur la côte nord. Donc, les gens sont bien avisés. Je tenais simplement à passer un message ici. Donc, l'éducation citoyenne qui s'est amorcée en 2009 a porté fruit, puisque encore en 2014, on voit qu'il y a une très belle mobilisation, une très belle implication citoyenne sur la Côte-Nord. On est même cité en exemple au niveau national, et c'est pour le bien de tous au final. La trame narrative élaborée de manière graduelle à l'attention des tenants de l'industrie est à l'effet qu'une recherche active de l'assentiment citoyen aux mesures extractives envisagées et gage d'un climat de stabilité favorable à l'investissement. Contrairement à la conception qui a cours ici au Parlement, Monsieur le Président, à l'heure actuelle, les conservateurs et les gouvernements successifs ont vu la participation citoyenne à titre de frein à l'expansion économique du pays. Et c'est là où on erre en droit et en fait, Monsieur le Président, puisque l'implication citoyenne est gage de stabilité, une stabilité qui est favorable, elle, à l'économie, à l'investissement. À partir du moment où les citoyens sont impliqués dans une initiative donnée, dès les premiers balbutiements, dès ses premiers stades, eh bien, il y a moins de chances, ça diminue de façon sensible la chance et l'occasion pour eux de se rendre dans la rue par la suite et de manifester et de prendre les moyens du bord, si vous me permettez l'expression, Monsieur le Président, de prendre les moyens citoyens pour faire entendre leur voix, parfois de façon plus assertive que d'autres. C'est sûr que lorsqu'on voit 2000 personnes à moins 25 Celsius avec des petits-enfants et des chiens avec des pancartes, c'est pas bon pour l'investissement, c'est pas bon pour la réputation du pays puis la cote qu'on a au niveau international, Monsieur le Président. Donc, plutôt que d'investir dans des programmes de communication, dans des plans de communication qui visent sur la répression citoyenne, les tenants de l'industrie auraient tout intérêt à travailler de manière inclusive, véritablement inclusive, pas simplement sur papier et dire « on a consulté », mais qu'au final, il n'y a aucune des considérations qui est prise en compte et que le citoyen a véritablement une action secondaire et qu'on tente de les mettre de côté et qu'on oppose des groupes citoyens entre eux. Quand je parlais de cette île et de la firme nationale, Monsieur le Président, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. L'industrie est derrière, crée des groupes de toutes pièces, des groupes citoyens et tente de les confronter et favorise la confrontation entre les groupes au final, Monsieur le Président, plutôt que d'adresser la situation directement et d'avoir impliqué les citoyens qui peuvent avoir des voix dissidentes parfois, eh bien, on a tenté de leur opposer d'autres groupes citoyens pour que ce dossier-là se règle dans la rue. C'est pas très progressiste comme idée, Monsieur le Président. Prenant en compte le levier populaire dont dispose l'action citoyenne à l'endroit des initiatives d'extraction des ressources naturelles, il m'importait de replacer le concept d'expression de la volonté citoyenne dans son contexte décisionnel, c'est-à-dire à la même étape que l'examen des incitatifs économiques et des incidences environnementales. Puisque, Monsieur le Président, lors de l'implémentation d'une initiative d'extraction des ressources, une initiative donnée,
Il y a des considérations qui vont pour le développement économique, mais également pour les incidences environnementales. Donc, dans le futur, la voie qui serait à privilégier, ce serait également de passer par un plébiscite. Peu importe la forme que ça prend, mais d'aller rechercher l'assentiment citoyen, d'aller s'assurer véritablement qu'on a une bonne adhésion du public et que ça, ça entre au même titre que les considérations sociales, environnementales et économiques, qui sont aussi importantes, sinon, qui sont très importantes, M. le Président, mais il faut au final que le citoyen se sente impliqué et fasse partie du calcul, M. le Président. Donc, lorsque je parle d'expression de la volonté citoyenne, volontairement, lors de la rédaction et lors de la rédaction des notes, mais également la rédaction de la motion, M. le Président, j'ai considérer que c'était essentiel que je me distancie, qu'on se tienne un peu à l'écart des vieux concepts, des concepts qui ont déjà cours, tels le développement durable et l'acceptabilité sociale. C'est plate, M. le Président, mais il y a eu une réappropriation, il y a eu un recyclage de ces concepts-là, et maintenant, il y a des marques de commerce qui y sont apposées. Développement durable, je mange des céréales le matin sur ma boîte de céréales, c'est écrit développement durable, c'est rendu une marque de commerce. L'industrie a recyclé, s'est réappropriée ces concepts-là, en ont dénué de tout sens, et maintenant, on clame à gauche et à droite. Il y a même des experts en développement durable en 2014, Monsieur le Président. C'est rendu vide de sens, et les citoyens ne sont pas dieux. Raison pour laquelle j'ai mis de l'avant ce nouveau concept, expression de la volonté citoyenne. Combien de temps ça prendra avec l'industrie le recycle, ça, je vous le soumets. Mais une chose est sûre, c'est que c'est non équivoque, ça exprime très bien. Expression de la volonté citoyenne, l'assentiment citoyen et l'acceptabilité au final, la véritable acceptabilité sociale, elle réside là, M. le Président. Passer par un plébiscite et vérifier si véritablement les citoyens sont en phase ou sont d'accord avec l'idée et l'initiative qui est proposée. Au stade de la rédaction de la présente motion, un souci de distanciation des concepts usés en matière sociale et environnementale fut appliqué afin d'offrir une vision foncièrement novatrice au public canadien en quête d'une voie alternative en ce Parlement. Maintenant, M. le Président, on a une forme de désaveu à un certain niveau des citoyens face aux initiatives gouvernementales parce qu'il y a ce cynisme-là qui s'est infiltré au sein de la population, compte tenu, entre autres, de cet aspect dénaturé de concepts qui se veulent pourtant essentiels, qui se veulent identitaires, tel le développement durable, qui était noble, c'est un concept qui était noble au départ et qui a une certaine forme de noblesse encore aujourd'hui, mais qui trop souvent est utilisé à toutes les sauces. Donc, les citoyens aujourd'hui, surtout que nos remparts au domaine environnemental ont été éludés, ont été charcutés. Je pense entre autres à la loi sur les eaux navigables. Il y avait une protection environnementale qui était prévue dans ce texte de loi-là, M. le Président, mais ça a été charcuté. Et aujourd'hui, les citoyens, le seul rempart qui leur reste, c'est la mobilisation. Donc, raison pour laquelle encore là, avec la conception erronée que la mobilisation citoyenne et que l'implication citoyenne est un frein à l'expansion économique. Oui, en 2014, c'est rendu ça, parce que lorsqu'ils sortent dans la rue avec des affiches, ça attire l'attention, les médias regardent, et par la force des choses, ça va influer sur le cours du marché, ça va influer sur la valeur en bourse. Mais si on avait investi les mêmes montants, qui sont investis déjà à l'heure actuelle pour de la répression citoyenne, si les mêmes montants étaient investis à des aspects inclusifs, M. le Président, on n'aurait pas des levées de boucliers, et on n'aurait pas cette situation qui nous préoccupe à l'heure actuelle. La désillusion et le désaveu progressif des initiatives émanant des instances gouvernementales au pays par une tranche sans cesse grandissante, pas simplement au Québec, contrairement à ce qui était indiqué dans le plan de communication de TransCanada, mais dans l'ensemble du Canada, dans cette tranche sans cesse grandissante de la population, est étroitement liée à ce sentiment d'impuissance face à des mesures de protection du public qui s'avèrent creuses. Nous devons rendre le constat suivant, M. le Président. Les pouvoirs publics, sous la pression constante des grands capitaux industriels, ont grandement éludé les mécanismes de protection du public en matière sociale et environnementale. Quand je vous parle de lobby, M. le Président, à titre informatif, au cours des 3 dernières années, les lobbies miniers sont venus me visiter à 6 reprises dans mon bureau. Je suis d'assez bonne volonté et je ne leur montre pas la porte, je travaille avec eux, mais ils savent que je suis plus ou moins favorable aux mesures qui sont projetées
et ont même eu l'audace, Monsieur le Président, de se pointer avec deux avocats qui prenaient des notes, avec une armada de juristes et d'intervenants la dernière fois. J'avais même plus de place pour les faire asseoir dans mon bureau. Ils sont rendus qu'ils se déplacent assis dans mon bureau. J'ai continué à leur ouvrir ma porte. Je ne peux pas refuser. Le domaine minier, c'est important pour Manicouagan, mais si, imaginez quelqu'un qui est plus ou moins favorable aux mesures qui sont mises de l'avant en 2014, imaginez quelqu'un qui leur est favorable. Ils doivent toujours être rendus dans leur bureau. Ces gens-là ont retenu un espace locatif pas très loin du Parlement. Ils sont à proximité ici et ils sont toujours présents sur la colline, Monsieur le Président. Imaginez s'ils sont venus 6 reprises dans mon bureau. J'ose à peine penser chez les conservateurs. Ils doivent avoir un téléphone rouge comme Batman pour avoir un accès direct pour leur parler. Mais ça, je vous le soumets. Donc, lorsque je parlais de la pression constante, je vois qu'il me reste une minute, Monsieur le Président, sur la pression constante des grands lobbies industriels. Je voudrais, s'il y a un élément qui va être pris en note par les partis adverses et par mes collègues et confrères ici en cette chambre, c'est cet élément. L'implication citoyenne est gage d'assurance, est une assurance de stabilité, c'est bon pour le marché. Si on implique les citoyens, pas simplement dire consulter pour donner de la poudre aux yeux, une véritable prise en compte des appréhensions, des objectifs mis de l'avant par les citoyens, à partir du moment où il va y avoir une réelle volonté inclusive, eh bien, ça va offrir une stabilité. On fait fausse route à l'heure actuelle. Avec de la répression citoyenne telle qu'on l'a vu avec le document de communication de TransCanada, Monsieur le Président, on fait fausse route. Il faut véritablement qu'il y ait une volonté inclusive. Sur ce, je vous soumets le tout humblement.